téléphone pour assister à la mise de prise de tout ça. Parce que vous êtes chaque fois que vous êtes divisé, on ne gagne pas. Vous êtes divisé, on ne gagne pas. Donc, c'est une effectivement, on aura à travailler sous la trousse pour nous. De plus de contact. Nous avons beaucoup à dire, crescendo, crescendo, il n'y a pas de souci. C'est le Conseil suprême, donc le fallait faire le football sans pour autant parler business. Donc c'est ce que nous attendons et puis voilà. On va présenter le big là. Voilà, c'est ça. Ça c'est ici on a de l'argent. Et nous sommes de quelle avenue? C'est vous? Vous avez oublié? Non, vous savez, j'ai vieilli. Hein. J'ai vieilli. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci vraiment. Président, j'essaie de vous appeler. Je voulais parler. Ah bon? Je vais faire une émission. Mais ça prend longtemps. Vous pouvez regarder. Ça va, merci. Oui. Maintenant, vous pouvez descendre. Oui, c'est la machine. Vous êtes porte-parole du Conseil suprême. Oui. Vous venez de vous entretenir tout à l'heure avec la présidente de coordination en train, Madame Bestine Kazadi. Est-ce que pourrions-nous avoir l'économie de votre entretien avec elle? Oui, pour être synthétique, d'abord merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour être synthétique, disais-je, nous avons reçu Madame Bestine, la nouvelle présidente de la coordination de la CV Club, en sa demande, parce que quand on l'a élue, elle n'était pas au pays, et quand elle est arrivée, il était de bonne loi qu'elle vienne saluer ses papas du Conseil suprême. Nous l'avons accepté, nous l'avons très très bien accueilli. Ça c'est la tradition nouvelle de la CV Club. Cela augure une bonne et complicité positive qui aura entre le Conseil suprême et la coordination de la CV Club. Quand nous l'avons reçue, elle nous a dit pourquoi elle est venue. Elle nous dit qu'elle est venue juste pour nous saluer, nous remercier et reconnaître notre organe en tant que le Bampaka, le sage de l'équipe. Nous avons pris acte de tout cela, nous avons été contents. Et notre président a tenu un langage en dehors de lui souhaiter la bienvenue dans notre équipe en tant que dirigeante. Nous lui avons promulgué quelques conseils. Mais nous allons tout formaliser après la remise et reprise. Parce que la remise et reprise est prévue pour mardi ou mercredi. C'est après cela qu'officiellement elle sera établie, intronisée, que nous pourrons lui faire des propositions concrète. Mais dans l'entretemps, comprenez qu'une fille, parce que nous l'avons vu, son papa était notre collègue dans le Conseil suprême, nous avons vu l'activisme de la dame, il était normal pour nous de lui donner ce qu'on dit en termes de bantou, de lui couler un peu de la craie en signe de bénédiction. Donc ce que nous avons retenu dans son langage, dans sa réponse, elle nous dit que nous allons travailler en équipe. C'est-à-dire en équipe, aucun club ne sera exclu. Et des deux, et ça a toujours été notre bataille, elle veut faire de club un business team. C'est-à-dire quoi? Fini cette histoire de gérer traditionnellement l'équipe en sortant chaque fois de l'argent de poche des individus, mais il faudra maintenant que votre club ressuscite, que votre club fasse de sorte que les ressources propres de votre club proviennent de votre club. Vous aurez des équipementiers, vous verrez beaucoup d'insignes exclusives à votre club qui vont être mis sur le marché et tout, pour tout ça pour arrondir et que notre équipe soit pas professionnelle, mais quand même que le joueur, parce que là quand on parle de joueurs, il n'y a pas que les joueurs de football, il y a aussi les joueurs de disciplines différentes, que
tous soient pris en charge et de façon honorable par l'équipe. C'est ce que nous avons retenu en deuxième position et en troisième position. Il a dit, pour qu'une équipe s'engage à l'extérieur, par exemple, dans le cadre de signature de partenariat, dans le cadre de signature pour ce que nous pouvons recevoir de l'extérieur, il faudra qu'il y ait des structures et de bonnes structures. C'est vrai que la FIFA, par exemple, et même la CAF relayée, demande à tout le club, à toutes les équipes qui participent à des tournois, à des championnats, dans le cas d'espèce interclub d'Afrique, de se muer en société. C'est ce que nous allons faire. Que le vœu clubien cesse tout ce qu'il chuchotait, tout ce qu'il se disait avant. Non, vœu club maintenant part, pas à zéro, mais vœu club est insoufflé par un vent positif, un nouveau vent, pour ne pas dire ça. Voilà à peu près ce qui nous a animés pour la rencontre de ce soir. Merci. C'est moi qui vous remercie.